une personne hors du commun. Il s'appelle George Awad, réside au Canada et il a tout juste 20 ans. Ok, voilà. Ah oui, non, il a une autre particularité. George parle aussi... C'est pas possible. C'est pas très celle-là. Non, George parle aussi couramment 19 langues. Non, mais 19, c'est pas possible. Toutes les langues. 19, tu crois pas. Non, c'est impossible. Tu comptes les dialectes. Le javanais. Ouais. Non, mais ça dépend. Il compte le latin. Alors, français, anglais, arabe, mandarin, italien, roumain, japonais, coréen, néerlandais, suédois, arménien, russe, géorgien, espéranto et même québécois. Espéranto. Il peut tenir une conversation dans tous ces langages. Georges est étudiant en linguistique à l'Université de Montréal. Non, mais c'est dingo. Et wow. En direct, live from Canada. Buongiorno, hola, arigato, pliviet, Georges. Bonjour. Mais hola. Hola. Wie geht's dir, Georges? Ah, Georges parle pas allemand. Ah, Georges parle pas allemand. Mais il n'y a pas d'allemand. Oui, je parle allemand. Oui, j'ai pas entendu, pardon. Non, ok. Dites-moi, Georges, qu'est-ce que vous faites à 20 ans à parler tous ces langages-là? Comment ça a commencé, cette histoire? Ben, ça a commencé, je dirais... ça fait très longtemps que j'aime beaucoup langues, surtout le français, parce que quand j'étais au primaire, j'adorais le français comme matière à l'école. Mais pour les autres langues, je dirais... vers l'âge de 10 ans à peu près, on avait un genre de sketch d'improvisation dans mon école qu'on faisait. Mm-hmm. Puis chaque personne devait s'asseoir autour d'une table ronde et débattre dans une langue différente sur un sujet donné. Et là, j'écoutais les gens parler dans toutes les langues et là, je trouvais ça tellement beau. Et là, c'est ça qui m'a attiré vers les différents sons que les langues peuvent avoir. Et j'en ai parlé à mes parents. J'ai dit « Oh mon Dieu, je veux apprendre comme une autre langue, ça m'intéresse tellement ». Ouais. Puis là, ils m'ont dirigé vers des ressources en ligne et j'ai exploré un peu. Puis depuis ce temps-là, je le fais encore là, c'est ça que je fais. Et donc ça veut dire que vous apprenez toutes ces langues en ligne, Georges? La plupart, oui. Ben, c'est incroyable. Par exemple, le mandarin, je l'ai appris à l'école secondaire. Mais à part ça, la plupart, oui, c'était en ligne avec des amis que je connais dans ma ville, avec qui je converse. C'est fou ça. Mais Georges, c'est quoi votre langue maternelle? Georges? Oui, oui. Votre langue maternelle, c'est le français? Oui, c'est le français, ma langue maternelle. À quoi ça va vous servir de parler toutes ces langues, Georges? Quand j'ai commencé à apprendre, je ne pensais pas vraiment à quoi ça allait me servir. Je le faisais plus pour le plaisir, mais maintenant, je commence à réaliser que quand je voyage, c'est très pratique pour parler avec les locaux, puis aussi... je trouve que ça m'ouvre beaucoup de portes pour découvrir pour des différentes cultures et de gens de partout dans le monde. Je peux les comprendre je peux comprendre comment ils voient le monde, je peux les comprendre d'un point de vue beaucoup plus intime que juste leur parler en anglais, par exemple. Georges, c'est hyper important ce que vous dites, parce que là moi je vous envie énormément. La seule personne que je connaisse qui pensait, parlait comme vous énormément de langues et qui arrivait à rentrer dans les cultures, c'était Lagerfeld, qui parlait allemand parfaitement, qui parlait anglais parfaitement, qui parlait français parfaitement, qui pouvait parler et écrire dans ces trois langues et qui donc maîtrisait les cultures. Quand on parle la langue, on rentre dans la tête de ceux qui la parlent. Oui, c'est vrai. C'est fou, ça. Alors, quel peuple est le plus passionnant? Moi, je dirais que c'est le peuple et la culture chinoise, parce que ils ont une histoire qui est riche de plus de 5000 ans, puis aussi, leur système d'écriture est vraiment magnifique. Là, c'est comme des pictogrammes et des caractères qui ont l'air comme de l'art, comme des peintures. C'est vraiment beau, je trouve, à lire. Oui. Et aussi le son de la langue est très beau. Et Georges, vous dites que la langue la plus dure que vous ayez apprise, c'est le géorgien. Pourquoi le géorgien? Parce que elle fait partie d'une famille de langues un peu à part. Puis aussi, elle est très différente de beaucoup d'autres langues que j'ai apprises avant. Elle a une grammaire très différente et que je trouve assez compliquée. Il y a beaucoup, beaucoup de règles, donc... C'est un peu pour ça. Là, il y a beaucoup de choses à savoir en même temps. J'ai une dernière question à vous poser, Georges. Est-ce que vous avez essayé d'apprendre le basque, qui est une langue dont on ne connaît pas l'origine? Je n'ai pas vraiment essayé officiellement. C'est très dur. Je connais un tout petit peu là-dessus seulement. Je n'ai pas essayé officiellement encore, mais Georges, je sais, un jour peut-être. Dans les langues que vous avez apprises, on vous a appris à dire pain au chocolat ou chocolatine? C'est bon. Oh là là. Merci, Georges. Type chocolatine, chérie, mais vas-y. Absolument pas. Pain au chocolat, c'est un gars sérieux. Pain au chocolat, Georges, s'il vous plaît. Non, type chocolatine. Hein, Georges, allez-y. Si,
si vous vous questionniez, au Québec, on dit plus chocolatine. Oh non, bande de losers. C'est tout, ça y est. Je suis déçu, tellement. Merci beaucoup, Georges. Fantastique.